C'était l'occasion en fait d'essayer. J'avais rien à perdre. Je suis Olivier Robichon, j'ai 38 ans. Je suis en deuxième année de formation entrepreneur de jardin à l'IFAP aîné de Verviers. Après avoir fait des études de gestion, j'ai travaillé 9 ans dans le secteur culturel avec des artistes plasticiens où j'organisais des expositions. Je me suis rendu compte que j'étais tout le temps devant ou derrière mon ordinateur et j'étais licencié au niveau économique. J'avais toujours eu aussi un intérêt pour ce qu'était aménagement de jardin depuis tout petit, et je me suis dit que c'était l'occasion en fait d'essayer, que j'avais rien à perdre. On est tout de suite sur du concret, on passe pas des heures devant un ordinateur. Et alors il y a une partie du métier, hein. Surtout quand on est indépendant, il y a toute la gestion, il y a faire des plans, faire des devis, facturer, etc. Mais on est quand même beaucoup sur le terrain. Alors on est stagiaire, mais en fait on fait le même travail que tout le monde. Les formations plus techniques, on est dans du concret. Pour un entrepreneur de jardin, c'est un métier touche à tout. Il faut connaître les plantes, il faut avoir des connaissances en maçonnerie, en électricité. C'est des métiers qui sont, je pense, passionnants et vraiment très complets. Moi, je pense que c'est un parcours que je peux recommander. Si on a cette envie, il faut essayer, puis on peut être plus épanoui, plus... voilà.